Coucou les précieux, c'est parti pour la guidance spéciale ex. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Donc là, on va faire la guidance pour les lions. Bienvenue à vous les lions en solaire, ascendant, lunaire ou en vénusien. N'hésitez pas à aller voir un deuxième signe uniquement. Voir trop de signes ne sert strictement à rien. Ça vous apporterait plutôt des informations contradictoires. Si vous avez un crush, hein, ça c'est possible aussi. Hein, quelqu'un qui n'est pas ex, avec qui il ne s'est rien passé. N'hésitez pas en commentaire, je vous mets le lien de votre vidéo. Allez les lions. Si c'est une femme, qui est cette personne? Et si c'est un homme, qui est cet homme? Alors, on en a deux. Allez, si c'est un homme, voilà. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Alors, si c'est une femme, c'est Madame 24, c'est la fidèle. Roméo et Juliette, Angélique, Marquise des Anges. Voilà autant d'images qui reflètent son être tout entier. Son cœur vous appartient et elle compte sur vous pour que vous ne jetiez jamais la clé qu'elle vous a confiée. Car s'il y a bien une chose dont vous pouvez être certain, c'est que son cœur est transi d'amour à votre égard. Waouh, les lions, c'est beau! Une très belle femme là. Et on a pour l'homme, hein, si en face de vous c'est un homme, on a Monsieur 33 et c'est l'orphelin. Sa peur constante de l'abandon l'entraîne dans une dépendance affective que tout l'amour du monde ne saurait combler. Touchant et attachant sous certains aspects, il n'en reste pas moins que cet homme épuisera vos ressources d'inventivité pour le choyer, car quoi que vous fassiez, il ne saura être comblé. Blessure d'abandon. Ok. Allez, on passe à la suite. Les amis, c'est parti. Allez, go. Allez, l'énergie de cette relation. Soit c'est l'énergie de l'autre, la vôtre. Peut-être que c'est un petit message concernant cette relation. On va voir. Allez, les lions, qu'avons-nous comme énergie? Ah, le 7 de coupe. Beaucoup trop de doutes. Beaucoup trop de doutes dans cette relation. Alors, peut-être que c'est dans le passé aussi. Hein. Le 7 de coupe, c'est... alors, peut-être aussi d'autres options. Hein. Ça, c'est possible. Peut-être que vous hésitez, les lions, vous avez hésité. À vous de voir comment vous adaptez ça, parce qu'on est dans la guidance ex. Donc là, vous n'êtes pas avec. Maintenant, vous pouvez quand même être en contact, hein, c'est possible. Hein. Moi, je pense que le 7 de coupe, là, peut parler d'autres options. D'autres options. Il y a une des personnes, voire même les deux, qui ont d'autres options et qui ne savent pas quoi choisir. Donc, il y a des doutes, on est incertain, on hésite. Peut-être la peur de l'engagement aussi, éventuellement. Ça, c'est possible. Allez, les amis, on passe à la suite tout de suite. On passe au tarot. Allez, on va aller voir l'énergie de votre autre, interverser si vous en ressentez le besoin. Si on ne parle pas de votre autre, surtout pour ceux qui viennent voir la guidance pour les lions. Hein. Si on ne parle pas de vous, mais qu'on parle du lion, interverser, ok? Allez, c'est parti. Quelle est la situation? 8 d'épée, il y a un blocage. 8 d'épée, c'est qu'on est bloqué. Hein, il y a une distance, il y a un éloignement, il y a une fuite éventuellement. Dans tous les cas, le 8 d'épée, c'est on est bloqué dans des pensées, on est dans l'incapacité d'agir, d'aller vers l'autre. Bon, il y a vraiment un vrai blocage et une vraie distance entre vous et cette personne. Hein. D'accord. Qu'est-ce que cette personne ressent de vous, pour vous, pense de vous? Allez, on laisse sauter la carte. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a le diable, on a le roi de coupe et la reine d'épée. Bon, ben les lions, je pense que cette personne pense qu'effectivement, vous avez minimum, enfin, on va dire deux personnes, hein, soit deux personnalités, clairement, en plus avec le diable, mais c'est quand même assez toxique. Hein. Cette personne, elle pense qu'il y a de la toxicité de votre côté, les lions, dans le sens où, soit vous êtes dans l'emprise de deux personnes, ou bien vous ne savez pas quoi choisir entre deux personnes, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, un signe d'air versus gémeaux, balance, ou soit cette personne pense que vous avez une double personnalité. Par moment, vous êtes gentil, vous ouvrez votre cœur, etc., comme le roi de coupe, et par moment, comme la reine d'épée, vous êtes complètement distant et extrêmement froid. D'accord. Et ça, avec le diable, c'est un peu une forme de toxicité. D'accord.
Ok, allez, on continue. Quelle est sa situation à cette personne? Quelle est sa situation actuelle? Roi d'épée, bah, c'est quelqu'un qui est dans son coin aussi. C'est quelqu'un qui est dans son coin. C'est peut-être quelqu'un hein, qui vous aime, hein, qui vous aime beaucoup, hein, mais n'empêche que cette personne est clairement dans son coin. Ou soit c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un là. Hein. On a quand même un as de coupe, un as de denier. Hein. Peut-être que cette personne, effectivement, a rencontré quelqu'un et c'est pour cela qu'avec vous, elle est complètement froide, distante et qu'elle décide de clôturer un petit peu cette relation, hein, finalement, de ce que je vois. Ça peut être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Ok, ce qu'elle veut avec vous, cette personne, les lions. Alors là, on peut avoir aussi deux énergies. Hein. Cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes entre un signe d'air, un signe d'eau, dont elle peut faire partie de ces signes-là. Hein. O ou R, peu importe. Hein. Ce qu'elle veut avec vous, cette personne, c'est un valet de bâton, un changement, les lions. Que vous changiez, que vous. Que vous changiez, que vous soyez déçu aussi, hein, peut-être déçu de l'avoir perdu, hein, ça pourquoi pas, ça peut être possible, mais que vous changiez. Alors on va voir, on va recouvrir. On va recouvrir ça tout de suite. Ah, cavalier d'épée. Cette personne aimerait que vous changiez quelque chose dans votre vie très 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 rapidement. Peut-être que vous arriviez enfin à trouver une stabilité ou à vous décider de vous engager avec elle. Ça peut être le cas. D'accord? Est-ce qu'une relation est possible entre vous et cette personne? Le 6 d'épée qu'on retrouve. Qu'on retrouve, qu'on a re qu'on retrouve, hein, qu'on avait au début, pardon. 6 d'épée. Ah, 2 de coupe. On a quand même un effet miroir ici. Hein. Une relation, est-ce qu'elle est possible? 6 d'épée. Attention, parce qu'avec cette distance, cet éloignement, ça pourrait me sembler peu probable, hein, mais on va voir. Ah, regardez la force, l'ermite. Vous, les lions, vous êtes complètement dans votre coin. Hein. Je pense que vous, les lions, vous avez tiré un trait sur cette personne. Hein. C'est vous, hein, lion. Ici, on a la vieille, donc c'est la force. Et le roi de houx, c'est l'ermite. Soit vous avez fait fuir cette personne parce que vous étiez trop, ben, trop dans votre coin, ou soit vous ne voulez pas. Hein. Donc écoutez, moi je ne pense pas qu'une relation peut être possible avec cette personne. Hein. Dans tous les cas, la situation, on a clairement un blocage ici. On va aller regarder c'est quoi ce blocage. Le pape, ben, il y a peut-être quelqu'un qui est pris. Hein, avec la carte du pape, il y a peut-être quelqu'un qui est pris, un des deux, vous, l'autre. Mais il y a, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui est pris, il y a une forme d'emprise. Emprisonné dans un mariage, dans une relation, pourquoi pas, ça c'est possible. Hein. Sinon, peut-être que vous avez essayé maintes et maintes fois de vous réconcilier, il y a toujours quelque chose qui bloque, quoi. Ok, quel est le conseil pour vous, Lion? Oh, les amoureux. Mais je pense que vous avez un choix à faire quand même, les Lions. Hein. Je pense que vous avez un choix à faire quand même, et c'est ce choix-là vous prend la tête apparemment. Conseil. Oh, le soleil. On a nos deux astres là. On a la force et le soleil. Hein. Et en plus, le roi de bâton, vous hésitez, vous, les lions. Vous êtes dans l'hésitation. Vous hésitez entre deux. Eh bien, il va falloir choisir. C'est ce qu'on vous conseille. Si vous ne choisissez pas, la relation, elle ne pourra pas évoluer. Peut-être que cette personne, elle ne veut plus aussi être dans la compassion, être dans la bienveillance, être dans l'acceptation. Il y a un choix à faire. C'est à vous de voir, les lions. Si vous voulez que cette relation évolue, elle peut évoluer à condition que mince, mon mot, c'est lequel? À condition que vous, mince, que vous renoncez à une des deux personnes. Si vous ne voulez pas renoncer, il n'y a rien qui est possible avec cette personne. Donc effectivement, je pense, hein, les lions, vous avez un choix à faire. Hein. Après,
Pour une petite partie des lions, c'est la personne en face de vous qui a un choix à faire. Surtout, peut-être que ça peut être aussi un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, hein, c'est possible. Mais effectivement, avec la carte du 7 de coupe, on parle de doute, on ne sait pas quoi choisir. Bon, allez, si vous choisissez l'autre ou si l'autre vous choisit, qu'est-ce qui peut être possible à l'avenir entre vous? Reine de bâton, 5 d'épée, l'as de denier. On peut avoir quelqu'un qui est lion, quelqu'un qui est bélier. Si vous choisissez l'autre ou si l'autre vous choisit, ce qui est possible à l'avenir, c'est quand même quelque chose de concret. Hein. On le voit ici avec l'as d'épée, hein. Avec l'as de denier, pardon. Quelque chose de sûr, de concret, de palpable, de durable, effectivement. Mais par contre, avec quand même des prises de tête. Hein. Avec le 5 d'épée, là, des prises de tête. Hein. Prise de tête, pourquoi? Dispute, prise de tête, incompréhension, choses comme ça. Ouh, l'impératrice. Parce qu'une des deux personnes n'est plus en capacité d'accepter tout et n'importe quoi. Donc la personne qui avant acceptait tout, là ne se laissera plus faire. Hein? Donc ça peut être la personne en face de vous, ça peut être vous à vous de voir. Hein? Donc oui, quelque chose est possible à condition qu'il y ait un choix qui soit fait. Si le choix n'est pas fait, eh ben non. Clairement, il n'y a rien qui est possible. Hein. Au contraire, il y a même des distances, des éloignements. Alors, est-ce que le choix sera fait? Ouais, 7 de coupe, on y revient. 7 de coupe, c'est la même carte. Hein. Il y a une grosse hésitation là. Hein. 2 de bâton, parce qu'il y a quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Bon, on a le valet d'épée ici qui parle de choix. Hein. Quand même. Hein. Bon, à un moment donné, un choix sera fait. Hein. À un moment donné, un choix sera fait. Je ne sais pas c'est quel choix. Puisque de toute manière, le choix qui sera fait, il sera satisfaisant pour la personne qui fera ce choix. Donc, Lion, si c'est à vous de faire un choix, faites un choix. Hein? Et si c'est à l'autre, est-ce que c'est vous que l'autre choisit? Les Lions, on va voir ça, valet de coupe. C'est la nouveauté. Donc, oui, avec quand même pas mal de peur. Hein? Donc oui, le choix sera fait, c'est vous, si c'est la personne en face de vous qui choisit, mais avec pas mal de peur. Hein? Hein, clairement, hein. Donc là, faudra être vigilant à ce moment-là, de ne pas aller trop vite. Hein. Okay? Donc en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui est taureau, quelqu'un qui est capricorne, verseau, gémeaux, balance, poisson, cancer, scorpion, bélier, lion, sagittaire, bélier, lion, vierge, lion. Et c'est tout ce que j'aime et c'est à titre indicatif, bien évidemment. Allez, la seule chose qu'on n'a pas, c'est quoi? C'est... ben oui, on a tout. On a tout. Ben, on a tout. Écoutez, je ne sais pas, on a tout. Verseau, gémeaux, balance. On a les trois cartes. On n'a pas le roi de denier, mais on a les trois cartes du signe de terre. Bon, ben, on a tout, écoutez. Allez, on va prendre une petite carte de ce jeu-là. Alors, les deux cartes. Ici, nous avons... C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Et laissez une chance à votre relation. Laissez une chance à cette relation. Travaillez sur votre couple. Donc, en fait, vous avez rencontré la bonne personne, hein, les lions. C'est une des deux personnes, si vous devez choisir. Donc, choisissez. Si on vous choisit, les lions, c'est cette personne, hein, qui vous est destinée un petit moment, hein, de ce que l'on voit. Laissez-lui une chance, même si ça a été difficile dans le passé. Allez, on va prendre un petit message. Non, on va répondre d'ailleurs tout de suite. Vous allez poser une question, les lions, et ce petit livre oracle va vous y répondre. C'est parti, allez, on y va. Montre-moi davantage que je te plais. Voilà ce que cette personne aimerait de vous. Et on termine avec ce petit oracle, l'oracle de la prophétie des étoiles. La carte 36, quelle est ta vérité profonde? Agis selon tes valeurs sacrées et lois intérieures. Quelle phrase forme ta règle de vie? Écris cette vérité en lettres étoilées et ne t'en éloigne pas. Vérifie que les éléments de ton quotidien font vraiment sens pour toi. Passe aussi en revue tes rêves actuels. Te correspondent-ils véritablement? Ou est-il temps d'en changer? Ton seul étalon désormais doit être ton authentique vérité. Tant que tu la suivras,
en faisant toujours de ton mieux, tu ne pourras pas te tromper. Donc les lions, dans tous les cas, écoutez-vous, écoutez votre vérité profonde, hein, les lions. Donc voilà, en tout cas, j'avais deux cas de figure. J'avais des lions qui doivent choisir, j'ai des lions qui vont peut-être être choisis. Bon voilà, il y a quelque chose comme ça. J'espère quand même que cette guidance, elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Après, elle était un peu floue, hein. La preuve, hein, l'énergie dominante, c'est quand même le 7 de coupe. Et le 7 de coupe qu'on retrouve ici, c'est aussi, je ne sais pas, hein, j'hésite, hein, il y a un choix à faire. Je ne sais pas quel choix faire, hein. Vous voyez bien, hein, cette carte du 7 de coupe, hein. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs opportunités, je ne sais pas quoi faire. Donc, il y a un choix. Il y a quelqu'un qui va devoir, à un moment donné, choisir, hein, les amis. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Adaptez. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt. Bisous.